Pour en venir au dernier, au temps de référence, je crois que chacun dans la salle a reçu son dossier de presse. N'est-ce pas? Donc ça vous servira peut-être. Des lois d'orientation sociale par les organisations qui sont handicapées. À l'état actuel, Jean, vous le faites déjà. On a dit dans le communiqué, le fait d'être avec nous atteste de votre solidarité à l'endroit de vos concitoyens handicapés. Et vraiment, je voudrais en profiter pour vous remercier. Vous qui êtes là, même des autres entreprises ici présents, et ceux qui ne sont pas voulus, certainement ils l'ont voulu, mais ils n'ont pas pu le faire. On vous remercie pour cette marque de solidarité et qui constitue pour nous un motif supplémentaire d'encouragement dans nos combats sociaux. Vraiment. Quatrième principe. Les défis sont très importants. On a eu des acquis, on est en train de les préserver. J'avoue très sincèrement que le contexte du Covid nous a porté un gros préjudice. Tant on est resté comme tout le monde. Il y a un effet considérable de notre réseau de partenariat qui nous a presque mis à genoux. Mutété nos efforts. Mutété notre engagement sacerdotal pour la bonne cause sociale. C'est pourquoi vraiment nous demandons à l'État. Parce que nous sommes au sein de l'État dans la gestion de la communauté du handicap au Sénégal. L'État reste et demeure notre premier partenaire. C'est pourquoi le chef de l'État est interpellé. Il est vrai qu'il se soucie beaucoup de ses concitoyens handicapés. Ça, nous en savons quelque chose. Mais la modestité des subventions allouées aux OPH pose problème. Ça ne permet pas vraiment d'avancer. Et qui parle de moyens parle de budgets conséquents. Le financement des projets sont là. Ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous réclamons et nous recommandons à M. le Président de la République de demander au ministère des Finances de nous dégager une ligne de crédit. Et c'est possible. Pour financer les OPH, c'est possible. Parce que l'auto-emploi constitue à SOS Handicap notre credo. Nous, l'expérience, nous mettrons à sa disposition volontairement parce que nous sommes Sénégalais et demain aux Sénégalais. Parce que nous, Sénégalais, nous sommes tous faits d'activité et de considération dans la gestion des affaires de l'État. C'est pourquoi nous restons notamment par des autorités incompétentes. Ceci dit, par rapport au défi, c'est déjà un que je viens de citer, comme ça il y a un défi. Le second défi reste, la consolidation de nos acquis. Mais même les acquis que nous avons sont en train de s'effriter par défaut de consolidation, par défaut de moyens. En fait, de moyens subséquents, je veux dire. Que la catégorie des chances, par exemple, pour servir en quoi faisant, je ne l'ai pas dit ce matin seulement, si les personnes handicapées se sont battues pendant de nombreuses années pour avoir un cadre institutionnel, on ne l'a pas encore. On parle d'autorité, de au commissariat pour les personnes handicapées, d'une direction des personnes handicapées gérées par les personnes handicapées parce qu'il y a eu un souci dans cette gestion, dans cette problématique. Si on arrive à matérialiser ces trois aspects, je crois que les personnes handicapées pourront, avec l'expertise que nous avons, la qualité de ressources humaines que nous avons en nos sein, vraiment régler beaucoup de choses et contribuer à l'édifice d'un Sénégal, de nouveau Sénégal. Parce que je ne peux pas comprendre que le Sénégal se construise sans nous, les personnes handicapées. Je ne peux pas comprendre ça. Et je n'y crois pas.
Je ne crois même pas, parce que nous sommes de ces pays, nous sommes tous des gardiens, comme je l'ai dit, de considération. Je crois que cet appel sera entendu par M. le Président de la République. Ceci dit, je veux remettre la parole. Bonjour, chers amis de la presse. Donc, je vais juste peut-être abonder dans le même sens que mon collègue. Donc, la DGID a un partenariat avec SOS Handicap depuis un certain moment. Donc, pour vous dire juste la démarche dans laquelle est adossée notre politique au niveau interne, c'est vraiment d'élargir à toutes les cibles. Bien même, je dirais, à toutes les couches sociales, donc de leur permettre de connaître leurs droits, de les inviter à se formaliser, de se régulariser, en d'autres termes, donc d'être de potentiels contributeurs. Et c'est dans ce sens qu'on est là aujourd'hui pour soutenir votre action et peut-être, comme l'a dit mon collègue, inviter les usagers de manière globale de toutes les catégories sociales à vraiment connaître leur droit vis-à-vis de l'UFSC. Je pense que M. Dabo, c'est avec un réel plaisir qu'on est là. Hein, nous remercions et nous vous encourageons vraiment pour. Je pense que ça. Quand même, on n'est pas légalement, on n'est pas dans le RSE. C'est juste, on est un démembrement de l'État, on est une administration ouverte, donc qui a une approche service public, qui produit une approche service public, je dirais. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre vraiment notre porte à toutes les catégories de candidats, à toutes les types, pour les sensibiliser. C'est beaucoup plus une démarche de sensibilisation, de contribution et de mobilisation. Donc, c'est pas faire une Par rapport à vous avez parlé, M. Dabo, je vous remercie d'avoir cette invitation. Je vois que vous avez compris que la DGID est un organe de département assez important de la structure fichier économique, voire financière du général. Donc, nous avons parlé de toute action, hein, au nom de notre directeur général, toute action du citoyen qui vise vraiment à impulser le développement. Donc, on va parler de fiscalité, on va parler de recettes fiscales. Sans développement industriel. C'est ça notre présence. On accompagne toute initiative en opérant de la porte en Yadal qui vise à élargir. Dans le Yadal d'un cycle de peu importe la catégorie sociale, peu importe le type d'activité, on est là pour ça. On accompagne toute activité, toute personne susceptible d'être un usager de l'intérêt, un contribuable de l'intérêt. On l'accompagne, on l'encadre. Donc, on a eu le temps. Et voilà, il y a un autre piston et moi, donne un relais à la DGID à travers nos services, à travers nos activités. C'est ça notre présence. Nous avons dit que nous devons nous remercier tous. Mais écoutez, il y a un SOS handicap, mais il y a un PNL. Il y a d'autres plus connus suivants. Récemment, on a soutenu des étudiants de l'université de Gaston-Pierchet, lors de l'ancien monde de la Fédération. Donc on est partout. Donc là, le partenariat, c'est depuis quelques temps avec le magazine. Donc, nous mettons en notre image au service des réseaux de candidats pour les aider en sens.